Un homme, une femme, un territoire, celui du Pays Lorrain. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Griesbeck. Nathalie Griesbeck, députée européenne et conseillère générale de la Moselle. Un homme, une femme, un territoire, Nathalie Griesbeck. Bonjour Nathalie Griesbeck. Bonjour. Alors, qui êtes-vous, Nathalie Griesbeck, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ben, je suis une femme, née au XXe siècle, une femme engagée depuis de nombreuses années. Tout d'abord, au départ, dans la vie associative, et puis ensuite dans la vie publique, comme élue locale et aujourd'hui comme parlementaire européenne pour le Grand Est de la France. Alors le Grand Est, quand on dit Grand Est, je vois, quand je le dis, les gens ne voient pas toujours ce que c'est que le Grand Est. Le Grand Est, c'est la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, l'Alsace et la Lorraine. Donc la circonscription sur laquelle j'ai l'honneur et la responsabilité de représenter un morceau de la France dans les décisions européennes, c'est une circonscription qui fait 8,5 millions d'habitants et qui est composée de 5 régions administratives et de 18 départements. Alors, donc voilà, après, ben, je suis engagée, ça prend beaucoup de mon temps, c'est passionnant, c'est souvent difficile, surtout par les temps qui courent, où il y a une très forte perte de crédibilité de l'action publique en général et en particulier de l'action politique liée à des événements qui sont très extérieurs à des milliers de gens qui, en France, donnent de leur temps, de leur énergie, de leur loisir, parfois de leur argent pour apporter aux autres. C'est vrai que, puisque vous me lancez un petit peu là-dessus, il y a un décalage entre ces politiques et puis après avec l'affaire Cahuzac aussi quelque part. Vous avez un regard particulier sur cette affaire-là en particulier, puisque on l'a effleuré il y a quelques instants. Ben, je trouve que cette affaire constitue un vrai désastre pour notre pays, pour le fonctionnement de nos institutions. Et elle vient s'ajouter à d'autres affaires et un long florilège d'événements qui ont sali en fait le fonctionnement de notre démocratie. Et donc je trouve que c'est un désastre. Et moi qui ai vraiment aussi la chance d'avoir beaucoup de contacts de travail avec d'autres élus, d'autres États membres de l'Union européenne, l'image que la France donne depuis maintenant quelques temps, et l'affaire Cahuzac, c'est vraiment le point d'orgue. On ne sait pas jusqu'où on va pouvoir encore aller, puisque là, cette affaire-là, c'est celui qui est chargé de lutter contre la fraude fiscale qui fraude. C'est quand même le summum. C'est le summum à mes yeux, mais ça vient s'inscrire dans une longue lignée, et le regard des collègues européens est un regard, pour ceux qui nous aimaient bien, est un regard d'apitoiement, de désespérance, et pour ceux qui nous aimaient pas, parce qu'il y en a en Europe qui n'aimaient pas la France, je dirais pas qu'ils jubilent, mais ils sont confortés dans leur façon de voir la France comme un pays de rigolo. Donc moi je suis triste, parce que je suis vraiment triste pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est, pour la formidable potentialité qui est celle de notre pays, et de l'avoir abîmé, écorné, rendu détestable par ceux qui incarne au plan gouvernemental mon pays, ça me désole. Franchement, ça me désole. Et pour les générations futures aussi. Vous êtes députée européenne et conseillère générale. On va peut-être parler du premier mandat. Je crois que c'est le plus important pour vous. C'est la communauté européenne. Je crois que c'est pas votre premier mandat, Madame Griesbeck. Non, c'est le second mandat de députée européenne. Mais quand vous dites il est plus important, moi, je trouve que les deux engagements se nourrissent mutuellement. Le fait d'avoir bien les pieds campés dans la réalité, de recevoir énormément
de concitoyens en rendez-vous, sur des dossiers compliqués ou sur des dossiers que je les aide à monter quand ce sont des élus par rapport à des fonds structurels, et en même temps d'avoir cette vision européenne. C'est un mix qui me permet de ne pas être débranché de la réalité et en Europe, donc de pas être subjugué par les sunlight, et donc parce que effectivement dans le Parlement européen, qui est composé d'un peu plus de 700 députés, il y a des gens qui sont très très célèbres qu'on connaît. Je peux prendre facilement un café avec Danny Cohn-Bendit, qui est un ami qui est profondément européen, même si je suis pas de sa sensibilité. Nous partageons un certain nombre de convictions. Ou bien de voir comment Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen se regardent en chien de faïence et n'assistent quasiment à aucune des commissions de travail. Donc, dans cet espace où il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été ou qui sont importants, je pourrais être étourdie par ça. Mais le fait que j'essaie de gérer des dossiers, de demandes pour entrer dans un EHPAD, une maison de retraite, de placement d'enfants, de suivi ou d'accompagnement d'un chômeur, etc., ce mixte fait qu'il n'y a pas un mandat plus important que l'autre. Les deux se nourrissent mutuellement pour essayer d'être efficaces et d'agir. Cette efficacité à la communauté européenne, vous êtes en charge de quoi et quels sont les dossiers que vous poussez justement au sein de cette commission européenne ? J'ai très longtemps été dans la commission du budget. Pendant mon premier mandat, j'étais dans la commission du budget. Et pour toute l'Union européenne, j'étais rapporteur permanent pour les fonds structurels en Europe. Donc c'était très technique, mais ça a des implications très directes et financières dans les dossiers. Et depuis 2009, je suis membre de la commission des libertés, des affaires intérieures et de la justice, et par ailleurs membre de la commission du transport. Donc en commission des libertés, c'est ma commission principale, je suis titulaire. Je travaille sur l'harmonisation, par exemple, des droits nationaux en matière pénale et en matière civile. C'est très concret aussi, c'est-à-dire un couple binational qui se marie, qui s'aime beaucoup et puis qui après décide de divorcer. Quid des règles de droit pour le divorce ? Est-ce que c'est lequel des deux pays qui prime ? Quid des règles, par exemple, pour la garde des enfants ? C'est très très concret. Je suis aussi, donc ça c'est un long travail, hein, parce que réussir à harmoniser les droits nationaux en matière de droit de la famille, c'est quelque chose qui est dans la subsidiarité encore des États, nations, et donc c'est long de réussir à harmoniser. Je suis dans cette commission aussi, je suis souvent plutôt sur les dossiers des accords de réadmission, par exemple des étrangers qui sont en séjour irrégulier, qui viennent de pays tiers par rapport à ceux de l'Union européenne, par exemple des Afghans, des Pakistanais, etc. Par rapport à ceux-ci, donc on a des accords de renvoi de leurs ressortissants dans leur pays, en essayant d'assortir ce renvoi, ce retour dans leur pays, de garanties pour eux, et aussi d'accords de réadmission, d'accords de facilitation, ça s'appelle des visas. On a aujourd'hui adopté un accord de facilitation des visas pour les Ukrainiens, pour leur permettre, par exemple pour des jeunes, de venir faire leurs études en venant d'Ukraine, de Kiev ou d'ailleurs en Ukraine, leurs études en Europe, mais leurs études seulement. Je suis aussi en train de finaliser un rapport sur la situation, toujours dans le cadre de cette même commission, sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne. Alors, c'est pas les Roms, c'est des jeunes qui viennent de pays tiers, par exemple de Syrie, où il se passe un génocide épouvantable, où personne ne fait grand-chose, à commencer par les institutions internationales. Il y a des gens qui fuient leur pays à cause de la guerre, à cause des crimes, à cause des mafias, à cause de la famine. Et donc, lorsqu'il s'agit de mineurs, il faut que l'Europe ait une attitude qui soit elle aussi harmonisée entre les États membres. C'est un dossier que je suis en train de finaliser. Et en commission transport, eh bien, je ne sais pas si vous êtes motard, mais vous êtes sûrement automobiliste. Je suis rapporteur pour mon groupe parlementaire, par exemple, sur le contrôle technique des véhicules et sur la partie véhicules utilitaires. Je ne sais pas si vous avez une caravane ou un tracteur. Donc,
cette thématique, enfin cette problématique plutôt, est sur le bureau et à l'agenda du Parlement européen. Et donc je suis rapporteur. Alors il y a un texte qui porte sur les deux roues, c'est-à-dire les motards. Et là, il faut réussir à trouver un équilibre parce que une harmonisation entre les règles qui sont imposées aux motards par rapport aux Allemands, aux Néerlandais et puis les nôtres. Justement, pour revenir sur ces motards, on a l'impression que c'est des lobbies qui ont la main sur justement ces commissions d'une manière générale. Bon ben non, parce que je vais vous parler des lobbyistes si vous voulez. Moi, j'ai aucun état d'âme par rapport à ça. Non, par exemple, le texte sur le contrôle technique des deux roues, les motards, la fédération des motards en colère n'est pas du tout satisfaite du texte tel qu'il est aujourd'hui. On est encore en train de le travailler. Alors, en ce qui concerne les lobbyistes, il y a effectivement beaucoup de groupes d'intérêt, mais ils sont dans la transparence la plus complète au Parlement européen. Ils doivent signer un papier, dire quels parlementaires ils sont venus voir et de quoi ils sont venus lui parler. Non pas pour nous surveiller, nous, parce que moi, j'ai été élue, donc il faut que j'exerce ma responsabilité en ayant en toile de fond quel est l'intérêt, synthétiquement parlant, des 8,5 millions que je représente, et même l'intérêt de mon pays dans la poursuite de la construction de l'Europe. Donc j'ai envie de dire, le plus important des lobbyistes, savez-vous lequel c'est ? N'a aucune idée. Ben, c'est le gouvernement français. Le gouvernement français qui me donne la position de mon pays par rapport à un sujet qui est traité au Parlement. J'ai reçu toute cette semaine que j'étais en session à Strasbourg, toutes sortes de fiches sur la position française par rapport, par exemple, à la facilitation des visas avec l'Ukraine, la position française par rapport aux critiques qui sont proférées à l'égard des modifications de la loi fondamentale hongroise et qui ne respecterait pas, semble-t-il, le socle qui constitue le fond de l'Union européenne. Et j'ai reçu la position de la France sur un texte sur les services en escale dans les aéroports. Doit-il y avoir deux ou trois, voire plus, entreprises privées qui assurent les services en escale des aéroports, qui ne sont pas faits par les aéroports ni par la police, mais qui par exemple s'occupent de mettre le carburant dans les avions, d'apporter la restauration dans les avions, de transporter les gens de l'aérogare à l'avion, de s'occuper des bagages. J'ai une note de mon pays sur quelle est la position de mon pays, de notre pays, par rapport à ces dispositions. Donc je regarde, et moi, de toute façon, je prends mes responsabilités quand je vote. Voilà. Donc, lobbyiste aussi très important, avec lesquels je travaille, la SNCF, la mobilité en Europe. En plus, je suis très très fière de dire que le TGV, c'est quand même une des plus belles réalisations technologiques actuelles de l'Europe en matière de transport. Et c'est une réalisation française. Donc je travaille avec Guillaume Pépi très régulièrement sur la signalétique, sur l'harmonisation de la signalétique, sur le matériel de transport, sur les problèmes de sillons, etc. Donc la SNCF me donne son avis, comme la Deutsche Bahn peut me donner son avis. Mais après, moi, je suis une grande fille, je prends mes responsabilités. Donc c'est ça, les lobbyistes. Et rassurez-vous, rassurons bien les spectateurs ou les auditeurs ou les deux, ils ne m'apportent pas des carambas, hein, les lobbyistes. Ils m'apportent une vision qui est la leur de technicien sur un texte. Les notaires, par exemple, qui s'inquiètent dans des dispositifs d'harmonisation du fait que peut-être ils vont perdre de la spécificité. Donc, qui est la leur, puisqu'ils sont officiers publics en fonction de nos lois. Donc, il faut réussir à entendre et puis ensuite à mener à terme une législation. On a en ce moment, je ne veux pas être trop longue, mais c'est vraiment dans l'actualité, ça concerne toutes les PME, les TPE et aussi les grosses entreprises, mais aussi les citoyens que nous sommes, un texte très important sur la protection des données personnelles. Vous savez, parfois, les entreprises prennent au passage vos données personnelles, si vous commandez en ligne ou si vous les donnez, et elles les utilisent parfois, elles les revendent à un autre acteur économique
qui va vous solliciter pour vous proposer des produits ou autres sans que vous lui ayez demandé quoi que ce soit. Là, il va y avoir une réglementation pour vous protéger, protéger vos libertés fondamentales. Avec ce foisonnement aujourd'hui de l'utilisation du numérique et des portails, et en même temps ne pas couper les pattes aux entreprises. La Poste, par exemple, qui est une très belle entreprise française, qui marche quand même encore pas trop mal, on va dire, hein, on va dire ça comme ça, eh bien, elle a absolument besoin... qu'il n'y ait pas une autorisation explicite donnée par le consommateur dans l'usage de ces données, parce qu'à ce moment-là, elle va perdre la possibilité de faire ce qu'on appelle de l'adressage ciblé. Donc vous voyez, si on était juste manichéen, il y a des sensibilités politiques qui sont manichéennes, et elles prospèrent en plus. C'est ça le plus beau. Elle prospère. Je pense aux extrêmes. Ils sont soit contre tout, c'est très facile. La vie du législateur, c'est beaucoup plus subtil. Il faut réussir à trouver quelque chose qui corresponde donc à une réglementation qui soit équilibrée et qui puisse faire fonctionner dans la protection des libertés le monde économique d'aujourd'hui, puisque c'est lui qui crée des emplois. Pas les administrations. Nathalie Grisbeck, on a l'impression que l'Europe est à la fois loin et proche du citoyen. C'est vrai. L'Europe est apparaît comme illisible, assez opaque, complexe, et en même temps, elle est très proche. L'eau que vous buvez, elle peut être surveillée et réglementée par des décisions européennes. Pour lutter contre le changement climatique, c'est pas la France toute seule, alors qu'elle représente 1% de la population du monde, qui va réussir à faire changer la donne. Donc on a une très grosse responsabilité, mais en même temps, on est un peu trop lointain. Je vous disais la taille de la circonscription. Pour toute la France, pour 64 millions d'habitants, nous sommes 74 députés, alors que pour les mêmes 64 millions, il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Alors je pense que là, il y en a peut-être un peu trop, mais pour nous, il n'y en a pas assez. Et donc la lisibilité, elle est liée à notre capacité à expliquer l'Europe. Et surtout, moi j'essaie de le faire sur les 18 départements. Je suis la semaine prochaine à Quinger, à côté de Besançon. J'étais la semaine dernière en Champagne-Ardenne. C'est d'essayer d'aller à la rencontre des catégories de Français, parce que je ne peux pas le faire autrement, les agriculteurs, les chercheurs, les jeunes, les lycées, etc., pour pouvoir écouter leurs revendications, écouter ce à quoi ils aspirent, et apporter des réponses, et dire à ce moment-là, oui, ça c'est de la compétence de l'Europe, ça c'est pas de la compétence de l'Europe, parce que très souvent, et en premier lieu, les gouvernants, et le nôtre, notre gouvernement ne se prive pas, dès que ça cloche, on dit, oh ben c'est l'Europe. Alors que la France, par exemple, on est représenté au sein du Parlement, élu au suffrage universel direct, on n'est pas élu d'élus, hein, donc les citoyens peuvent nous choisir ou nous jeter. La France est également présente au sein de la Commission, elle a un des 27 commissaires, avec d'ailleurs une très belle personnalité qui a une compétence qui est très forte en Europe, celle du marché intérieur, c'est Michel Barnier, qui est un homme profondément européen, profondément authentique, et qui vraiment met tout son acharnement, toute son énergie et son cœur à faire avancer les dossiers. Donc la France y est dans la Commission, et la France évidemment elle est aussi au Conseil. Parfois elle brille par son absence, hein. Le Conseil, c'est la représentation des États, à côté de la représentation du peuple européen dans le Parlement, de la Commission qui est comme une sorte d'impulsion gouvernementale. Il y a le Conseil qui représente les États membres. Et là, souvent, par exemple, quand il y a les réunions des ministres de l'Intérieur ou des ministres des Finances ou des ministres de la Santé, parfois, la chaise de la France est vide. Donc, et pourtant, les gouvernants, qui sont dans toutes les instances décisionnelles, disent « c'est de la faute de l'Europe quand ils n'arrivent pas à faire quelque chose ». Donc, c'est vrai, on souffre et moi, j'essaie de montrer ce que fait l'Europe, d'écouter, de dialoguer,
mais on souffre d'une forme d'illisibilité et souvent les médias, pour la France en tous les cas, les médias sont pas suffisamment présents dans l'espace européen. Je vois les Anglais qui sont pourtant assez eurosceptiques, hein, qui ne sont pas dans l'euro. Ils ont 36, plus de 30 en tous les cas journalistes en permanence dans les instances européennes. Nous avons 2-3 journalistes français. Donc évidemment, c'est proportionnel, hein, le retour média, il est beaucoup moins important. Et donc on a le sentiment que l'Europe est... Alors, je ne minimise pas, évidemment, les difficultés que l'Europe a, en raison aussi des freins apportés par les États, à prendre les mesures pour endiguer la crise très grave dans laquelle nous sommes. Nous avons adopté cette semaine un texte très important pour limiter les bonus des banquiers, leur imposer une transparence absolue, les contraindre à plus de souplesse dans l'attribution des prêts, aux entreprises notamment. Et donc, mais ce texte qui a été adopté a plus de 630 voix, donc très très largement, hein, toutes les sensibilités politiques importantes ayant voté pour, à mes yeux est très important, mais il est grand temps qu'on le prenne. On aurait dû réussir, les États auraient dû avancer plus vite dans le système européen pour que le Parlement, ce texte qui a été soumis et adopté hier au Parlement, c'est un texte qui est dans nos tuyaux depuis quasiment 2009. Et le voilà qui atterrit seulement. Donc c'est sûr qu'il faut mettre d'accord 27 États membres et ensuite la représentation d'une demi-milliard de citoyens. Mais quand même, on souffre d'une trop grande illisibilité liée peut-être à l'absence d'intérêt ou au fait qu'on utilise l'Europe comme bouc émissaire. Pour rebondir un petit peu sur cette loi que vous avez votée, ça veut dire qu'en Europe, il y aura d'ici peu plus du tout de paradis fiscaux comme le Luxembourg ou comme Jersey. Ça, c'est une question effectivement très importante. Il faut qu'on travaille à l'existence d'outils qui seraient pas d'ailleurs seulement européens. Vous avez parlé vous-même de l'affaire Cahuzac. Le compte de M. Cahuzac, si j'ai bien compris, il n'est pas dans un espace européen, où il est en Suisse, il me semble. La Suisse n'est pas dans le système européen. Et l'autre, si j'ai bien compris, il est à Singapour. Donc il faut qu'on travaille tous à forger des instruments qui soient internationaux. Puisque on est dans la mondialisation. On y est, qu'on le veuille ou pas. Donc moi, j'attends... qu'il y ait une vraie volonté politique de créer les outils qui permettent de lutter contre cette fraude, qui pourrait rapporter, si elle était endiguée, des milliards aux États. Et on en a bien besoin en ce moment. Donc bien sûr qu'il faut des outils. Donc ça nécessite des accords, mais même des outils internationaux. Un autre problème aussi, c'est organisé par toutes les associations caritatives qui étaient désolées en ce qui concerne ces fonds d'aide justement à la pauvreté et aux besoins. Bon, je pense au Resto du Cœur, mais il y a plein d'associations qui vivent en grande partie grâce aux fonds européens. Oui, c'est le fameux PEAD qui est devenu le fonds européen donc d'aide aux démunis. Et ce fonds, en fait, je vais vous dire, puisque ça fait quand même longtemps que je suis députée européenne, en 2004 déjà, dans le budget pour l'année 2005, j'avais déjà déposé un amendement pour qu'on puisse le restaurer. Donc ça fait des années qu'il est fragilisé par certains États qui considèrent qu'il n'y a plus de surplus alimentaire comme on en avait, vous vous souvenez, le beurre, le lait, etc. C'est comme ça qu'était né le programme d'aide aux démunis. On avait décidé d'utiliser tous les surplus pour les donner aux gens qui sont en difficulté alimentaire. Et donc, depuis que moi j'y suis au Parlement, chaque année, il avait fallu se battre pour restaurer la ligne dans le budget, qui est une ligne de 500 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Certains États, l'Allemagne en tête, a considéré qu'il n'y avait plus de surplus alimentaire et que donc c'était hors des règles juridiques que de mettre dans la politique agricole commune
et ensuite dans le budget, une ligne qu'on prenait sur l'agriculture. Et que c'est du social. Et que ça, ça devait relever de la subsidiarité des États, c'est-à-dire de la compétence des États, et pas de l'Europe. Donc, ça fait des années qu'on plaide, et on a énormément de mal, parce que derrière l'Allemagne, sept autres États ont emboîté le pas, parce que juridiquement, effectivement, la base légale est plus très juste. Il n'y a plus de surplus alimentaire. Et donc, on a obtenu que ça soit une ligne dans ce qui s'appelle le Fonds social européen. Mais moi, je trouve que c'est pas une bataille gagnée, parce que ça va contraindre les banques alimentaires, les restos du cœur, toutes les structures d'aide aux démunis à devoir déposer des dossiers différents et parfois à trouver un cofinancement. Donc tout ça parce que les grands États ont estimé que ça revenait à chaque État de gérer les pauvres. Et je trouve, je n'ai pas arrêté de le dire aux membres de la Commission avec lesquels on travaille vraiment bien, enfin directement dans la méthode, de dire que c'était un signal mais abominable au moment où il y a une très grande précarité qui frappe les citoyens européens, où il y a près de 20 millions de gens qui sont en extrême pauvreté, ce débat était indigne sur l'aide aux démunis. On va essayer de faire un petit peu plus court parce qu'on va être quand même pris par le temps. Oui. Alors vous avez, puisque vous me parliez tout à l'heure, donc vous êtes à la fois parlementaire européenne, mais également une femme de terrain puisque vous êtes conseillère générale. Alors quel est un petit peu votre rôle au sein de ce Conseil général et quelles sont vos actions ? Au sein du Conseil général, je suis sur la thématique de l'action sociale. Donc le président Weyten, quand il a été élu, m'a demandé d'assumer la présidence de la troisième commission, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire celle qui s'occupe des affaires sociales, des 91 collèges, de l'université et de la recherche. Donc disons de l'enseignement supérieur, de la recherche. Donc je préside cette commission, je m'occupe du plan départemental de sanitaire et social, je suis tous les dossiers de maisons de retraite, et c'est passionnant parce que c'est la compétence, c'est le cœur de métier des départements en France, et qui touche les habitants de notre département, les Mosellans, de avant qu'ils naissent, avec tout l'accompagnement des femmes enceintes, puis à la naissance avec les PMI, jusqu'au plus de 100 ans avec donc la dépendance, la grande dépendance, le quatrième âge, et donc par ailleurs la jeunesse avec les collèges et la formation avec l'enseignement supérieur et les labos de recherche. Et en même temps, budgétairement, le budget du département de la Moselle, nous sommes 1 million d'habitants, le budget du département c'est 1 milliard d'euros par an, et tout ce qui relève de l'action sociale c'est la moitié de ce milliard, donc 1,5 milliard, 500 millions qui sont consacrés par notre assemblée départementale à cette action sociale au collège et à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc c'est une responsabilité qui est passionnante, qui est difficile, mais qui touche aussi à ce qui est le plus important, c'est-à-dire les hommes et les femmes, à ce qui est la richesse de notre département, ce qui est le plus important pour quelqu'un qui est engagé publiquement. On va conclure cet entretien par vous demander, est-ce que vous vous êtes fixé d'autres objectifs dans le futur ? Il y a des élections dans pas très très longtemps. Est-ce que vous allez être candidate à quelque chose d'autre, ou est-ce que vous souhaitez poursuivre sur la trace que vous avez faite ? J'ai envie de vous répondre que pour moi, l'urgence, c'est le présent. Je me dis que les gens qui m'ont confié le fait de les représenter, ils n'attendent pas de moi que je devienne une politicienne et que j'essaie de voir qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Je pense que la crise est tellement lourde et tellement douloureuse pour beaucoup de gens qui, parfois même, sans avoir des difficultés, rentrent dans une forme de déprime. Et donc, je pense que
cette mission-là, elle prime sur tout le reste, c'est-à-dire être à leur côté, accompagner, apporter mon énergie, mon enthousiasme, mon envie de faire en sorte que nous sortions de cette ornière épouvantable et qu'on n'ait pas une génération perdue, celle des jeunes, qui, s'ils sont en forme, ils ont envie de partir, et s'ils sont plus en forme, ils dépriment. Et donc, pour moi, l'urgent, vraiment, c'est le présent. Et donc, mais on se reverra, et je pourrais vous dire, c'est dans un an, ce que je pourrais faire au service de mon département et puis de ma ville de Metz que j'aime. Oui, c'est ce que j'allais vous poser. La ville de Metz, ça vous tente ou pas ? Mais je suis dans la ville de Metz. Mon canton est le plus gros canton de la Moselle. Il est totalement un canton urbain. Il est au cœur de la ville. J'aime cette ville. J'y suis née. Je la vis, je la respire. Je peste parfois, comme beaucoup de Messins, par rapport à des décisions qui m'apparaissent iconoclastes ou qui ne m'apparaissent pas comme étant des priorités. J'aime cette ville, j'en ai besoin, et c'est en même temps mon rocher. Donc je suis élue de Metz aujourd'hui au Conseil Général. Je représente les Messins. Donc encore une fois, nous avons beaucoup, beaucoup de défis à relever. Je travaille en bonne intelligence avec Patrick Weiten, dont j'apprécie le courage et l'audace. Qui sont des moteurs pour lui, le fait de prendre des risques un peu comme un chef d'entreprise et je travaille bien étroitement à ses côtés. Alors ça veut pas dire que j'ai pas de vision à moyen long terme, mais la vision à moyen long terme, c'est faire en sorte que nous soyons que nous retrouvions notre dynamisme et que nous réussissions à placer notre territoire vraiment en orbite par rapport à ce carrefour européen qui est le nôtre, naturellement, historiquement et pourquoi pas économiquement. Parce qu'il y a beaucoup d'urgences. Vous avez vu qu'on a enterré la sidérurgie, que l'automobile, qui représente le premier employeur privé de notre département, peut connaître des fragilités. Donc vraiment, l'urgent, c'est le présent. On peut imaginer vous voir quitter François Bayrou pour rejoindre l'UDI. Moi, je pense que le problème, c'est pas un problème de personne, c'est un problème de conviction. Et les convictions qui sont les miennes rejoignent en grande partie, mais pas surtout d'ailleurs, en grande partie celles qui sont exprimées par François Bayrou, qu'il exprime depuis de très nombreuses années. On a commencé cet entretien en parlant de la moralisation de la vie publique. On n'a pas parlé de déficit ou de dette, mais nous aurions pu. Ce sont nos leitmotifs au risque d'apparaître peut-être comme des Cassandres. Ça fait des années que nous répétons que nous rentrons dans le mur et qu'il faut donc moraliser la vie publique, qu'il faut donc prendre des décisions à cet égard. Donc l'essentiel sont les convictions, c'est pas les personnes. Et je pense qu'à l'UDI, il y a des gens qui partagent, en tous les cas je l'espère, mais je suis presque sûre que oui, qui partagent ces convictions qui m'animent et qui sont pour moi un moteur pour mon action. Ce sera notre conclusion, Nathalie Griesbeck. Je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus là. C'est moi qui vous remercie de cet entretien sans complaisance et très direct en même temps. Fin de cette émission, un homme, une femme, un territoire, celui du pays lorrain. Aujourd'hui, je recevais Nathalie Griesbeck, députée européenne, conseillère générale de la Moselle. Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin pour RPL Radio. Je vous dis à bientôt.